dévié du gant. Tir. Meunier toujours, Meunier, on passe sur l'arrière. Tire de la bleue. Pietro Miro. On cherche Phil Pietro. Oh, oh, but il l'a gagné. Petite casquette, hein, petite casquette de derrière, je pense qu'il tire sur la jambière. Et derrière se met lui-même ce but. Mulhouse. Et attention à ces gars pensés qui rentrent là. Roi. Avec Colotti. Colotti, Roi. Ah oui, but. Ouais, superbe égalisation. Super. Du duo Colotti-Roi. C'est Roi remonté de puck avec Roi numéro 85 et monsieur Colotti. Et derrière, ça fait un partout. Il a été laissé tout seul, hein, Roi devant Moron. Et ça repart sur l'autre côté. Il y a 3 contre 2, 3 contre 2, on attend un peu de soutien. Et c'est Olivier Labelle qui met ce but sur cette remise de Jean-Pietro Niro. Alors qu'effectivement, on a manqué d'avoir le 2-1. C'était pas tout, hein, 4-7. Il y a eu deux occasions de but en deux actions là. Exactement. En une remontée. Et c'est le numéro 93 des Scorpions, Olivier Labelle, qui marque ce but sur cette remise de Jean-Pietro Niro. Et ça fait 2-1 et il reste 4. A tiré un peu le joueur, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs Phil Pietro Niro. Oh, ouais, attention, ça va être contré. Là par contre, sur contre, il faut faire attention, il est revenu. Oh, le but de Phil Pietro Niro, c'est une remise de Pistilli. Travail de Kevin Ekfeu. Le troisième but. Donc c'est de nouveau le 73, hein, Phil Pietro Niro qui marque ce but. J'ai vu Kevin. Oh, oh, là, une fois, ouais, faut pas l'oublier de parler par contre. Et c'est Correa là, tout seul. Ah, but. Quel but. Ouais. Ah, erreur effectivement d'Antonin Germont qui profite à Correa pour marquer ce. Oh, oh, là, ouais, faut pas l'oublier de parler par contre. Et c'est Correa tout seul. Ah, but. Quel but. Ouais. Ah, erreur effectivement d'Antonin Germont qui profite à Correa. Ekfeuille, il y a du monde hein, devant la cage. Ouais, ça se referme, attention. Ils écartent à nouveau. Ça pivote. Allez, tout de suite. Pistilli. Ah, ouais, c'est encore Phil Pietro Niro. Numéro 73. Et les ultras ont balancé leur casquette. Balancé la casquette pour le hat-trick. Et ça fait du 100% hein, pour ce power play mulhousien ce soir. Et ouais, avec ça toujours le même bien. Buteur, le 73. Oh, le tir. Ezipov. Ezipov qui vient mettre. Ça fait deux matchs où Ezipov marque. C'est le but de défenseur hein, ce soir. Et Phil Pietro Niro, c'est un défenseur aussi. C'est une soirée de la défense, effectivement. Bien fait. Ouais, ça allez, peut partir, hein, parce qu'il y a 2 contre 0. L'oiseau Rousseau. Oh, le but. En infériorité. Le sixième but, il est pour Thémou Loiseau. Enfin, Thémou Loiseau. Belle combinaison, effectivement. On a fait coucher Jimmy Darrier pour mettre ce but. C'est au dernier match que les Mulhousiens se sont pris un but en infériorité. Enfin en supériorité, pardon. Oh, attention. Et voilà but. Il y a but. Et oui. Ça fait 6-4. Qui reste jouable. 1 minute 25. Correa. Oh, qui attention, passe à la vogue à Milan Juric.